Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, oui, un vlog à l'ancienne. Ça fait une éternité que j'en ai pas fait et je me suis dit pourquoi pas en faire un le 1er décembre. Vous verrez pas cette vidéo le 1er, mais à l'heure actuelle où je filme et cette journée, c'est donc le 1er décembre. J'ai pas mal de choses à faire, donc j'avais envie de vous prendre avec moi et de vous faire partager un peu cette journée. Ce matin, j'ai bossé sur le calendrier de l'Avent. Je vais vous en parler après, mais voilà, je pouvais pas trop vous montrer parce que c'est censé rester une surprise puisque vous allez avoir 25 cadeaux à découvrir sur mon Instagram tout au long du mois, donc je vous en reparlerai dans le courant de cette vidéo. Et du coup là il est déjà midi et demi je crois, le temps est passé vite. Je me suis préparée, j'ai ressorti une robe pull, première fois, ça me fait mal au cœur, mais bon il fait vraiment froid donc c'était la tenue adéquate. Et là je vais manger et cet après-midi j'aimerais aller chez Maison du Monde pour acheter 2-3 trucs de décoration de Noël puisqu'aujourd'hui je vais faire aussi mon sapin, et pour acheter un nouveau tapis pour mettre dans mon bureau parce que pour l'instant j'ai celui de mon ancien dressing de mon ancienne maison et ça va pas du tout avec l'univers que j'ai voulu créer. Du coup j'en ai repéré un qui me plaisait chez Maison du Monde et j'ai un bon d'achat là-bas à utiliser, donc c'est l'occasion. Et puis je voudrais faire donc le sapin et vous parler de 2-3 petites choses, vous montrer des nouveautés que j'ai et peut-être vous spoiler une des pièces qui est enfin finie dans la maison. Voilà, en exclu. Je me dis pourquoi pas, aujourd'hui on fait les fous. Donc je vous emmène avec moi, j'espère que ça va vous faire plaisir et c'est parti. Sinon, en vrai, aujourd'hui, c'est un grand jour parce que je sors pour la première fois mon nouveau sac. Cette petite beauté que je me suis offert de moi-même à moi-même pour Noël. Ça faisait beaucoup de moi-même. C'est un sac que j'ai trouvé sur Vestiaire Collective. Donc, il est d'occasion, mais il est en excellent état. C'est le Chanel 19 en tweed. Et voilà, j'ai flashé dessus littéralement, quoi. Vraiment, genre, il est splendide. Le seul bémol, c'est que je l'ai reçu il y a plus d'une semaine, mais il sentait énormément la cigarette. Genre, le tweed, ça apparemment imprègne toutes les odeurs. Et du coup, il puait la mort. Donc, je l'ai aéré. Je lui ai mis des parfums dessus, des trucs et tout exprès. Et là, ça a l'air d'aller mieux. Donc, je vais enfin pouvoir inaugurer ce sac et pouvoir le porter. Et mention spéciale pour cette manicure affreuse. Heureusement, j'y vais demain. Mais voilà ce que ça donne un confinement. Des ongles dans un état de merde. Et là, on a un petit truc qui aimerait sortir, qui vient de se lever seulement maintenant. Donc écoutez, c'est parti. Je vais mettre mes chaussures et aller faire la balade de cette crevette. Et oui, en fait, j'ai oublié de vous dire, c'est ça où je voulais aussi aller. C'est chez Leroy Merlin. J'ai fini les toilettes, en fait. C'est cette pièce que je veux vous montrer parce que je la trouve trop, trop cool. Je suis trop fan de mes toilettes, voilà. Qui lui cru que je dirais ça un jour? En tout cas, je vous le dis, je les trouve trop, trop bien. Trop jolies, c'est vraiment ce que j'avais en tête. J'ai reçu 2 colis que je vais vous montrer. Ce sont les accessoires, en fait, qui vont venir finir vraiment ce que j'ai en tête. Mais ce que j'ai réussi à faire de ces toilettes, comparé à l'avant que je vous ai montré dans la house tour, vraiment il y a un gros changement. Et il faut aussi que je passe chez Maxiso pour la demoiselle parce qu'elle n'a plus de petites lingettes pour se nettoyer les pattes avant de monter dans le lit, puisque Brooklyn dort dans mon lit, mais du coup je lui nettoie les pattes parce que sa passion c'est de gratter dans le sable vu qu'on a un truc avec du sable à côté là où on se balade, et elle n'a plus de sac à caca. Voilà, instant glamour, mais elle a utilisé son dernier sac à caca, enfin j'ai utilisé plutôt à l'instant en la sortant, donc il faut absolument que j'aille en acheter pour la balade de tout à l'heure. Donc on va faire tout ça, tout est à peu près à côté, donc ça va bien se goupiller. Je vous montre de suite ce que j'ai reçu. Voilà les 2 articles que j'ai commandés sur Made. J'aime trop ce site, il y a souvent des pépites. Je pense que vous avez capté que du coup je voulais des accessoires dorés pour ces toilettes. Donc j'ai pris une petite poubelle, ça c'est du polystyrène, c'est rien, elle n'est pas abîmée. Donc voilà, petite poubelle classique mais très jolie en doré. Et ça sera donc le porte PQ que je trouve très très beau. Franchement je le trouve trop classe avec cette espèce de morceau en marbre blanc. Et je pense que ça va vraiment vraiment bien aller avec. Et du coup chez Leroy Merlin, je vous montrerai tout à l'heure, on choisira ensemble la brosse à chiottes, hein, appelons ça comme ça s'appelle. C'est pas l'objet le plus glam qui existe, mais j'aime bien qu'il soit joli. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on voit quand on rentre dans des toilettes et quand on a pris le temps de faire des toilettes comme j'ai fait, c'est important. Donc rendez-vous dans les boutiques. Bon, me voilà chez Maison du Monde. Mon sapin, moi, comme l'année dernière, il va être blanc et rouge. Et j'ai déjà plein de trucs, mais j'ai envie d'avoir 2-3 petites nouveautés. Donc je suis à la recherche de petites pièces comme ça, un peu mignonnettes. Je vous montrerai tout ça après. J'ai trouvé le tapis que je voulais.
Bon, ça y est, je suis rentrée de mes péripéties shopping. Voilà le tapis installé. Si jamais vous voulez le nom du modèle, c'est celui-ci. Le prix est assez correct en plus, je trouve. Et bah, par rapport à la pièce, que je peux pas encore vous montrer ce que je vous laisse pour le house tour final, je trouve que bah, ça va beaucoup mieux. Ça respire, c'est très bien. Parfait. C'est ce que je voulais, je suis très contente et c'était le dernier, donc trop cool. Ensuite, comme je vous ai dit, ben, j'accepte de vous montrer les toilettes en avant-première. Voilà. Je suis trop fan. Donc ça, c'est ce que j'ai été chercher chez le Roi Merlin, comme je vous disais. La petite poubelle, elle est là. Et le porte-PQ est là. Il n'est pas encore installé, mais en gros, ben, ça donne ça une fois au mur. Donc ça ira très très bien. Au niveau des décos, j'ai mis ça que j'avais trouvé en brocante. Un petit truc pour le sentir bon. Une fausse feuille de palme. Et voilà, c'est trop cool. Je suis trop contente, j'aime trop. Je trouve l'ambiance très très chouette. Et la peinture, je sais que vous allez me la demander, donc je vous la dis maintenant, mais c'est pas le but de la vidéo, c'est la teinte Soul de chez Dulux Valentine, voilà. Donc j'ai hâte de vous montrer tout fini, mais en tout cas là, c'est une très belle avancée. Et je suis trop contente de ce genre de petits détails. Je pense que le petit panier là va partir, ça fait un peu trop. Mais voilà, très très bien, je suis ravie. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Maison du Monde. Malheureusement, il fait nuit noire, j'ai pas eu le temps du tout de faire mon sapin. Donc je vais le faire demain et ce vlog sera en 2 jours. Ce sera beaucoup plus simple parce que sinon là je vais me speeder et les lumières et tout sont pas chouettes. Donc je préfère d'abord vous montrer ce que j'ai acheté et diviser le vlog en 2 parties. C'est une reprise de vlog, ne m'en voulez pas. Du coup, j'ai repris, donc comme je vous le disais, quelques décos de Noël. Je peux plus m'en empêcher. J'en avais, je pense, assez. Mais j'avais envie d'avoir des petites nouveautés dans mon sapin. J'ai pris 2 boules comme ça, en verre transparente, avec des petites, je sais pas comment on peut appeler ça, des petites boursouflures, je sais pas. Donc, j'en ai pris 2. Ensuite, j'ai pris celle-ci, où il y a marqué Snow, et dedans, il y a comme de la neige. Comme je vous le disais, c'est blanc et rouge. J'ai pris 2 comme ça. Elles sont donc en transparence avec une grosse plume blanche dedans. J'ai pris ce gros flocon blanc avec marqué Christmas, ici Xmas. Donc celui-là, il est assez gros quand même. J'en ai pris qu'un parce que j'aime bien avoir plein de trucs différents. J'ai pris cette petite tête d'élan ou caribou, je ne sais pas, avec des petits grelots comme ça. Après, j'ai pris celle-là, j'aimais trop, je l'avais repérée sur le site. C'est pareil, transparent, avec des petits pompons à l'extérieur et des petits pompons à l'intérieur. Je trouve ça assez chou. J'ai pris 2 rouges comme ça, pailletés classiques. Et au niveau des boules de Noël, et ben c'est tout. Ensuite, je me suis repris le parfum d'intérieur à la vanille, c'est mon préféré, je l'adore. J'ai presque fini le mien, donc j'ai profité de me le prendre puisque j'avais un bon d'achat. Et ensuite, je me suis pris 2 gros pots pour la cuisine. En fait, j'ai déjà ces modèles-là, mais d'une autre couleur, dans les tons vert et gris. Et vu que la crédence de ma cuisine est bleue, je voulais les changer pour ces modèles exactement les mêmes, mais dans les tons bleus, pour que ce soit plus harmonieux. Voilà, du coup, j'ai pris ces 2 gros pots là. Et le tapis que vous avez vu. Voilà pour les achats Maison du Monde. Je suis passée comme convenu chez Maxiso prendre les lingettes et les sacs à caca de doudou. Et puis j'ai pris ce que je vous ai montré aussi chez le Roi Merlin. Voilà, c'était assez raisonnable. Du coup, bah, je vous retrouve plus tard pour la suite du vlog. Hello tout le monde, j'espère que ça va. On est donc comme convenu le lendemain, donc le 2 décembre. Je suis dans ma voiture et je viens d'aller me faire faire les ongles. Je suis si heureuse, vraiment, je n'en pouvais plus. Du coup, on est parti sur un petit kaki avec du doré. Et là, elle a reçu des paillettes de dingo. Donc la fois prochaine, je vais faire que des paillettes pour Noël et tout, ça va être trop cool. Là, je rentre chez moi et puis je vais enfin pouvoir faire ce fichu sapin. Il faut que j'aille le chercher au garage et tout. En fait, je crois que c'est ça qui ne me motive pas. Mais je vais le faire. Donc c'est parti, je rentre et je vous reprends. Bon voilà, je viens de récupérer tout ce qu'il fallait pour faire le sapin. Si jamais vous vous demandez, moi mon sapin, il vient de chez Eminza. C'était le même l'année dernière et ce que j'adore, c'est que là en fait déjà mes doudous. Il a déjà le bout des branches éclairées, donc il n'y a pas besoin de guirlandes et du coup on peut blinder en boule et c'est ce qui fait que ben, ça fait des beaux sapins bien garnis. Bref, du coup j'ai pris tout ça là, je vais déplacer la petite cheminée pour le mettre à cet endroit
ici. Et y a mon robot qui est en train de faire du coup un petit coup d'aspiration avant tout ça. Je vais vous en reparler juste après, mais vous voyez, il va faire le ménage à ma place pendant que je serai en train de faire le sapin. Donc ça, c'est quand même très très cool. C'est le Roborock S5 Max, mais je vais vous en parler après. En tout cas, le sapin va venir donc ici et bah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le faire, c'est parti. Et sinon, aujourd'hui, j'ai fait un truc que j'ai pas fait depuis des mois. J'ai mis un jean. Je ne sais pas ce qui me prend. J'avais envie en fait d'être... Enfin si, je sais ce qui me prend. Je vais vous dire la vérité. J'ai filé tous mes collants et j'ai clairement pas le temps d'aller en racheter. Donc ça attendra la fin de semaine puisque je dois aller dans un centre commercial faire mes sourcils chez Benefit. Du coup, j'en rachèterai à ce moment-là. Du coup, je me suis fait ce petit look avec mes petites baskets que j'aime trop. C'est des Air Force One Shadow, il me semble. Je les ai trouvées sur Zalando, mais bon, enfin, je vous laisse chercher. Et ce petit pull et ce jean, c'est Zara. Voilà, j'ai même le chouchou assorti s'il vous plaît. J'en peux plus de moi. Donc voilà, ça change un peu je trouve que tout le temps les robes. Et bah ça me donne envie de mettre plus de jeans. C'était la parenthèse look du jour. Regardez qui j'ai oublié de vous montrer. Il est pas trop chou franchement. C'est comme une grosse peluche mais en dur genre. Il est tout doux. Je vais le mettre à côté du sapin je pense. Ça va bien me servir pour faire quelques photos du calendrier de l'Avent. Donc bah voilà, trop cool quoi. Enfin trop hâte de l'installer. Je suis en train de réaliser que je ne vous ai pas parlé du fameux calendrier de l'Avent. Donc ce calendrier de l'Avent, il se tient tout simplement sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me suivre. Je vous mets mon compte juste ici. Je partage beaucoup de choses sur Insta donc bah c'est cool aussi de me suivre là-bas. Je suis beaucoup plus présente que sur YouTube d'ailleurs. Et en ce moment, du 1er au 25 décembre, je vous offre un cadeau par jour via un post Instagram. Donc les participations sont expliquées à chaque fois, le lot est décrit à chaque fois, etc. Et ça me faisait trop plaisir en fait de vous gâter et de pouvoir vous proposer plein de lots différents. J'ai essayé d'axer vraiment tous les domaines. Il y a de la beauté, il y a de la nourriture, week-end, il y a de l'électronique, de vêtements, enfin, il y a vraiment plein de choses. Donc je suis trop contente et bah, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez être nombreux à aller regarder, participer, partager. Et voilà, j'espère que vous allez gagner quelque chose, j'en serais vraiment ravie. Donc rendez-vous sur Instagram tout le mois de décembre et même après d'ailleurs. Voilà, le sapin est monté, la guirlande marche, le petit ours est ici et lui, il se balade toujours, il fait son taf. Alors, en ce qui concerne mon aspirateur Roborock, il porte bien son nom, mais sachez que je l'ai renommé Maurice suite à un sondage Instagram. Vous avez été nombreux et nombreuses à choisir Maurice, donc c'est donc Maurice, l'aspirateur Roborock. Il a plusieurs fonctions, il aspire bien évidemment, et ce qui est génial, c'est qu'il est relié directement à une application qui s'appelle Roborock. Je vous mets la petite icône juste ici, comme ça vous savez à quoi ça ressemble. Et ce qui est trop bien donc, c'est qu'il est relié en Wi-Fi, donc il va capter grâce à ses capteurs qui sont juste ici la maison, en fait votre maison, et il va dessiner une cartographie et vous allez pouvoir choisir plein de choses, à savoir les pièces où vous voulez qu'il passe, si vous voulez qu'il contourne des obstacles, ou si vous voulez par exemple mettre une fonction mur invisible. Ensuite, ici, vous avez le réservoir tout simplement de la poussière qui se situe ici, qui s'enlève très facilement. Voilà, donc là, elle a dit que je l'avais retiré. Vous la remettez tout simplement comme ça. Et en dessous, vous avez la fonction lave-sol, serpillière, quoi, en gros. Donc, vous pouvez remplir le réservoir d'eau, mettre une petite lingette qui est fournie avec, et ça vous permet d'aspirer et de laver en même temps. Du coup, là, je viens via l'application de lui demander de rentrer à la maison. Vous voyez, il y a le petit symbole maison qui clignote. Donc, il va aller trouver sa base tranquillement, là où elle est, c'est-à-dire là-bas. Il rentre comme un grand. Voilà. Et donc là, ma maison paraissait vraiment propre. Mais je suis sûre que si on regarde... Oh, regardez-moi ça. Vous voyez ? On a l'impression que c'est propre. Et pourtant, le robot, il trouve absolument tout le temps un truc à ramasser. C'est un truc de dingue. Voilà pour la présentation de ce petit robot. Il est vraiment, vraiment cool. Moi, ça m'aide beaucoup au quotidien. C'est un gros soulagement pour les personnes qui travaillent beaucoup, pour les personnes qui doivent faire le ménage quotidiennement parce qu'ils ont soit des enfants, soit des animaux de compagnie, soit qui sont tout simplement à cheval sur la propreté. Ce qui est mon cas. Surtout quand on a un chien et un sol très clair. Je vous mets le lien
lien en barre d'infos. Il y a une super promo en ce moment. Il est à 299€ au lieu de 499. Donc, bah, pensez même à faire vos cadeaux de Noël. Très sincèrement, c'est le genre de cadeau, moi, que j'aimerais recevoir. Je ne le prendrais pas mal si j'avais ce genre de cadeau. C'est un cadeau utile et qui va venir vous soulager. Donc, pourquoi pas? Ça peut être très sympa aussi pour vos grands-parents, par exemple. Ça les soulage de passer l'aspirateur manuellement. Ça peut être très fatigant. Si vous avez une future maman, que vous avez envie de la soulager, de la gâter et tout, c'est des idées. Donc voilà, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. C'est parti pour la décoration. Donc comme je vous le disais hier, moi c'est très rouge et blanc. Donc je vais redécouvrir ce que j'ai ici et je vais prendre ce que j'ai acheté également hier, bien entendu. Et voilà, le sapin est fait. Je suis contente. Il y a juste un problème avec une guirlande en haut qui fonctionne pas. Je sais pas ce qui se passe, pourtant elle a l'air bien branchée. J'essaierai de solutionner ça plus tard, mais pour l'instant, ben, je laisse ça comme ça. Voilà, très contente. Je dois vous avouer que dans la vie, j'ai une passion. C'est le brownie de chez Marie Blachère. Je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment trop bons. J'aime beaucoup aller chez eux. Donc en gros, là, ce qui va se passer, c'est que je vais me faire un petit verre de lait d'amande à la vanille avec mon petit brownie tranquillement devant la télé et me poser, préparer le poste du calendrier de l'Avent du jour. Et puis, ce sera déjà pas mal. Du coup, je crois qu'il est temps de vous dire au revoir. Je pense que ce vlog a été bien complet. On est déjà de toute façon en fin de journée. Il est déjà 17h, il va faire nuit, etc. Donc là, je vais me poser tranquillement. Je suis ravie d'avoir pu partager ces petits moments de vie avec vous. Je réitérerai. Ouf, la langue française n'est pas évidente. L'opération dès que possible, parce que en fait, ben, c'est plutôt cool de vlogger. J'avais oublié que c'était cool et que ça me plaisait. Donc je recommencerai très certainement d'ailleurs au mois de décembre. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, ben, n'hésitez pas à me dire si vous aimez mon sapin et si vous avez craqué pour cet aspirateur merveilleux dans les commentaires. Ciao !